Une petite cuisine musicale, c'est un format d'une heure avec 8 à 12 chanteurs dans lequel on décortique les œuvres proposées autour d'une thématique qui a été choisie. C'est un format court qui peut s'adresser, pourquoi pas, à des enfants, pourquoi pas à des collégiens, voire des lycéens, mais évidemment aussi à tout public. J'essaye de faire en sorte aussi que ça soit un peu interactif ou participatif. Encore une fois, ça ? Ils vont vous aider, ils font avec vous. Hey. On est presque au point. Presque. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans la cuisine musicale, c'est-à-dire l'endroit où finalement on va mélanger les différents ingrédients pour donner naissance à la musique, que ça soit la cuisine musicale du cœur ou que ça soit la cuisine musicale du compositeur ou d'un sujet. Ça permet de prendre le temps d'analyser un petit peu les choses, de faire entendre les choses sous un autre angle et au final de donner des clés au public pour qu'il puisse naviguer un petit peu mieux dans la polyphonie qui peut parfois être un petit peu compliquée à appréhender. Mon but, c'est de travailler à deux niveaux. D'abord, de donner des explications, donc de faire participer les gens à une écoute un petit peu plus attentive, et puis aussi clairement de casser les codes. La petite cuisine musicale, c'est pas un concert, c'est pas une conférence, c'est pas un cours. C'est pas une répétition, mais c'est tout ça.